Bonjour à tous. Saviez-vous que Dieu s'intéresse à tous les aspects de notre vie et pas simplement, entre guillemets, à notre salut? Parler du salut peut sembler très spirituel, très détaché des choses de notre monde, alors que Dieu s'intéresse à ce que nous vivons dans notre monde dès maintenant. Il s'y intéresse parce que nous ne pouvons pas être sauvés en dehors de notre vie terrestre, de notre vie actuelle. Et tout ce que nous vivons dans notre vie actuelle influe sur notre salut. Alors il s'intéresse à tout et dans la Bible se trouvent de multiples conseils sur notre vie, sur la manière dont nous pouvons mener au mieux notre existence actuelle. Lisons, si vous le voulez bien, un de ces conseils qui se trouve dans le livre du Lévitique au chapitre 11 et au verset 1 et 2. Ici, Dieu nous parle de notre nourriture et particulièrement de la nourriture non pas végétale, mais carnée, c'est-à-dire quelle viande faut-il manger? Et on apprend quelque chose d'intéressant, lisons-le ensemble. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit, « Parlez aux Israélites, dites-leur, parmi tous les animaux qui sont sur la terre, voici ceux dont vous mangerez. » Alors ce passage très simple nous dit une chose très simple également, c'est que tous les animaux qui se trouvent sur la terre ne sont pas prévus pour être mangés. Si on veut regarder le texte biblique depuis les origines, eh bien nous savons que pendant plusieurs centaines, même milliers d'années, le régime alimentaire de l'homme a été exclusivement un régime végétal. Lorsque Dieu crée l'homme, il lui donne l'herbe à manger, c'est-à-dire les plantes et tout ce qui se trouve produit par la nature, mais pas les animaux. Parce que pour manger un animal, il faut le tuer. Et puis, après le déluge, Dieu, dans ces circonstances particulières, va autoriser l'homme à manger de la viande, à manger des animaux. Mais pour son peuple, Dieu lui dit « Tu ne mangeras pas de tous les animaux. Certains ont été créés pour être mangés, ils peuvent l'être, et d'autres non. Et pour ceux que cela intéresse, j'aurai l'occasion d'y revenir un jour, le chapitre 11 du Lévitique donne des règles concernant les animaux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas être mangés. Mais peut-être pour aujourd'hui, simplement nous dire que regarder le monde animal en disant « nous pouvons manger de tout » n'est pas quelque chose qui entre dans la volonté de Dieu. Et même lorsqu'il permet à l'homme de manger enfin de la nourriture carnée, de la viande, eh bien là encore, il est là pour maîtriser nos appétits et nos envies de goûter à toute chose. Non, tous les animaux ne peuvent pas être mangés. Seuls certains peuvent l'être dans certaines conditions. Et on aura l'occasion un jour d'y revenir si le sujet vous intéresse.